Salam alaikum Mazur Fillaoun, bonjour. Le grand jeu, on nous sort le grand jeu patriotard. Pour cacher les incompétences, les négligences criminelles, le bricolage, les indélicatesses, le copinage, le clientélisme, le népotisme, la gestion chaotique. C'est comme ça que ça se passe en Absurdistan. Ils font ce qu'ils veulent, ils mènent un pays tout entier aux abattoirs, ils nous volent en plein jour, trafiquent nos bulletins de vote, voire même notre participation, font élire, malgré nous, un président qui ne sait même plus s'il est lui-même, et quand nous osons la plus petite récrimination, on nous accuse d'être les ennemis de l'Algérie, les potes de BHL, les agents sournois, de ceux qui veulent mettre l'Algérie à feu et à sang. C'est systématique. Dès que vous les accusez de quoi que ce soit, qui pourtant pas tant que tout le monde voit et constate dans sa vie de tous les jours, vous devenez l'ennemi de l'Algérie. Parce que tout simplement, l'Algérie, c'est eux. Quand vous les touchez, vous tuez la patrie. Parce qu'au cas où vous ne le saviez pas déjà, vous ne le saviez pas encore, les chouhada sont morts pour eux, pour que le pays devienne leur propriété. Ils s'identifient tellement à cette possession qui est devenue ce pays, qu'ils en arrivent à le dire publiquement. Écoutez cette déclaration publique du PDG d'Air Algérie, je le cite. Si cette campagne est médiatique, était dirigé contre le PDG d'Air Algérie, cela aurait été de moindre mal que si elle visait la compagnie elle-même. Vous y comprenez quelque chose, vous, à ça? C'est incroyable de le dire comme ça. C'est hallucinant. Le ministre des Transports, l'inénarrable père du goudron gruyère, autoroute, tire à boulet rouge sur tous ceux qui ont osé dire qu'Air Algérie est un canard boiteux qui ne vit que des subsides de l'État et de la mamelle émigrée, qu'elle pressure jusqu'au sang. Il balaye du revers de la main toute ouverture possible du ciel algérien à une vraie et saine concurrence pour permettre aux voyageurs, à destination ou en provenance d'Algérie, de choisir la compagnie qui leur offre de meilleurs prix et un meilleur service. Mais il ne dit mot sur la compagnie française, enfin française, Aigle Azur, qui, elle, est autorisée à bouffer au râtelier, au banquet, et qui a réussi, grâce à cette fermeture du marché en sa faveur, en celui d'Air Algérie, a réalisé un chiffre d'affaires qui laisse rêveur les dirigeants des plus grandes compagnies du monde. Tout est bon dans le mouton. Le plus incroyable est que personne ne parle donc d'Aigle Azur dans cette histoire de fou. Personne ne dit pourquoi cette compagnie française est autorisée à se servir à la table dressée, ni pourquoi elle est aussi protégée de la concurrence, ni pourquoi elle est de droit français, par ailleurs, puisque les barons du régime qui l'ont créé sont algériens. Mais là est un autre sujet sur lequel nous reviendrons en temps opportun. Le PDG d'Air Algérie, lui, il n'y va pas du dos de la cuillère. Je cite encore un passage d'un article de Maghreb émergent. Je cite. Mohamed Salah Bolteh va dénoncer mercredi à Alger une campagne médiatique dirigée contre sa compagnie, dont le dynamisme et l'agressivité commerciale commencent à inquiéter et à gêner. Rien que ça. Le dynamisme et l'agressivité commerciale d'Air Algérie, on croirait rêver. C'est comme si on nous parlait des pistes de ski du Hogar, ou du jogging matinal de Bouteflika, ou de l'intégrité du ministre du Goudron Gruyère.
est le meilleur du meilleur, et que son ministre, dit exactement le contraire. Exactement le contraire. Pendant que le PDG parle de compétitivité remarquable et remarquée d'Air Algérie, son ministre de tutelle, M. Roule en personne, affirme publiquement qu'il n'est pas question d'ouvrir le ciel algérien à la concurrence parce que la concurrence tuerait Air Algérie. Faut savoir, les gars, c'est quoi cette ralota? Comment l'un dit qu'elle est compétitive au point de déclencher contre elle des attaques malveillantes, pendant que l'autre nous dit qu'il ne peut pas permettre une concurrence puisqu'elle n'est pas compétitive, justement. C'est ça l'Algérie bouteflikhienne, l'absurdistan dans toute son absurde ampleur. Selon Maghreb émergent, le ministre Gruyère, avant de devenir le ministre de l'air et du vent, c'est lui qui le dit, que selon les débats d'experts nationaux et étrangers sur cette question abordée, celle de l'ouverture du ciel aérien, lors des assises des transports, ces experts donc prédisaient la mise à mort du pavillon national en cas d'ouverture à la concurrence. En fait, pour reprendre Maghreb émergent, qui cite Lydie, experts nationaux et étrangers, je cite, une possible ouverture du ciel aux compagnies aériennes étrangères signerait la mise à mort de la compagnie Air Algérie, confrontée à des difficultés notamment à sa flotte vieillissante et un personnel en sureffectif, selon les experts. Le gouvernement semble attendre le parachèvement du plan de développement 2013-2017. De la compagnie pour envisager l'Open Sky. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc, plutôt que de redresser cette compagnie, de la rajeunir, de lui imposer un système de gestion rigoureux, de mettre à sa tête des gens compétents, de la doter d'une flottille nouvelle, puisqu'elle a l'Algérie a les moyens de le faire. Non, il préfère reporter au calendrier grec et laisser payer les immigrés 4 fois, 5 fois le prix ordinaire. Mais, comme dit Boltif, comme Boltif sait plutôt, que ce qui nous débite est du grand n'importe quoi, que sa compagnie est tout ce qu'on veut sauf performante, sauf capable de faire peur aux concurrents, alors il nous sort des arguments au relent patriotard. Il accuse tous ceux qui osent protester contre cette horreur qui est la question d'Air Algérie, d'attaque contre le pavillon national. Aujourd'hui, Maghreb émergent. Vol AH-57, le PDG d'Air Algérie dénonce une campagne médiatique dirigée contre le pavillon national. Maghreb émergent toujours. Algérie, le gouvernement écarte l'option de l'Open Sky pour préserver Air Algérie. Le Figaro, Air Algérie, création d'une association. Avec nous pour rediscuter d'Air Algérie et de ses déboires et du culot de ses dirigeants, nous recevrons deux membres du collectif du CCTA, collectif contre la cherté des transports vers l'Algérie. Je voudrais, encore une fois, avant de les recevoir, les assurer de toute mon admiration pour leur extraordinaire mobilisation. Partis de rien, mais emplis d'enthousiasme et de courage, ils ont réussi à rallier à eux de très nombreux compatriotes, de plus en plus nombreux chaque jour. À ce train, ils vont bientôt devenir une grande organisation avec laquelle même l'État français devra compter. Le CCTA est un exemple pour tous les opprimés, pour tous les militants de la cause Algérie. Ces hommes et ces femmes nous montrent le chemin. Ils nous ont appris que l'union des Algériens est possible, que nous pouvons encore sauver notre pays si tant est que nous empruntons la même voie de l'honneur et de la persévérance. Saleh Hejjeb, porte-parole du CCTA, merci de nous avoir rejoints. Merci pour cette invitation. Alors, vos réactions à ces dernières sorties du ministre du Transport et du PDG d'Air Algérie?
Alors, la première réaction qui vient à l'esprit, donc ça a été cité, donc c'est on voit la contradiction entre les propos de ministre et les propos de PDG. On dirait ils appartiennent à deux pays différents. Ça, c'est au début. Deuxièmement, quand on analyse chaque déclaration, on trouve à l'intérieur des contradictions. À la fois, la société, elle est excellente, elle est la meilleure du monde, comme ils ont mis l'épouvantail des syndicats, l'UGTA, dans un article la semaine dernière, mais en même temps, on dit il y a un plan de redressement. Et on parle, on essaye de pallier le grand problème de la gestion, on parle de l'achat de 16 appareils d'ici 2016-2017. Qu'est-ce que ça va apporter l'achat des appareils? Donc, sincèrement, c'est juste une réaction pour réagir, mais ça montre la faiblesse de la gouvernance de ce secteur de transport en Algérie. La dernière fois, le ministre, il fait une déclaration improvisée en disant, calmez-vous, il n'y a pas de souci, vous auriez des promotions de 50 jusqu'à 80%. De l'autre côté, Algérie Ferry, elle prend même pas au sérieux sa déclaration et le Boultif, le PDG d'Algérie, n'écoute même pas et à la fin, il va bafouiller un article pour dire oui, il y avait quelques sièges, mais pas beaucoup de sièges. Voilà. Donc, notre réaction, c'est qu'ils sont sortis de leur silence, mais pour ne pas dire grand-chose, ils pensent que cette affaire, surtout cette fois, que l'affaire va être calmée juste avec un petit article ou avec une petite déclaration. Et d'ailleurs, je soulève un autre point. Ces gens-là, ils ont peur de la concurrence dans tous les domaines. Alors, pourquoi ce ministre ou bien ce Bouteflika n'ont pas organisé une conférence de presse? Ils n'ont pas ouvert la porte à tous les journalistes de l'Algérie pour parler avec eux et pour défendre leur compagnie. S'ils n'ont pas peur d'être vraiment, d'avoir des vraies questions, ils ont choisi le média qui va caresser dans le sens du poil. Voilà la concurrence, même dans le secteur de médias algériens, on le voit encore par cette preuve. Salah Hajjab, dites-moi justement à propos de cette promesse publique, formelle, reprise par tous les médias du ministre de l'Air et du Vent, après avoir été ministre du Gruyère. Malheureusement, nous venons de perdre Salah Hajjab, nous allons le rappeler. Mais en attendant, nous allons recevoir Yassine Hajjouj. Si Yassine, merci de nous avoir rejoints. Yassine Hajjouj. Alors, nous les avons perdus tous les deux. Nous allons essayer de les rappeler. Je voulais donc poser la question à l'un de nos deux invités que le ministre, M. Roul, qui venait d'être installé à la tête de ce nouveau ministère, après avoir réalisé le projet du siècle, la fameuse autoroute que les Algériens appellent le Goudron-Gruyère, parce qu'elle est pleine de trous. Donc, ce ministre a promis formellement, publiquement, que les tarifs allaient être réduits dans les semaines. Ça veut dire, pour vous dire à quel point, un ministre qui décide comme ça, dans un système de marché ouvert, que la compagnie va appliquer tel tarif et non d'autres, et qui promet que cela sera fait dans quelques semaines, alors que ce n'est pas possible. Pour quiconque connaît un tant soit peu les règles les plus élémentaires de la gestion, on ne peut pas demander à une compagnie de baisser ses tarifs de 50 à 80% comme ça. Mais Yassine Hadjouj est avec nous. Yassine, merci de nous avoir rejoints. Yassine Hadjouj, Oui. merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci. Alors, vous avez lu les dernières déclarations du PDG d'Air Algérie, du ministre des Transports algérien? Oui, j'ai sous la main, enfin, la déclaration à la pièce de Monsieur Boultif. Oui. Et vraiment, je suis resté un petit peu sur ma faim. Je suis un petit peu choqué de ces déclarations parce qu'elles portent aucune avancée par rapport à notre dossier ou notre doléance première qui est la cherté des billets et des services. Oui. Et puis, lui s'attaque un petit peu. J'aimerais bien que tu pratiques un petit peu ça, mais, si vous le permettez, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr, lui, il attaque la presse nationale qui, selon lui,
derrière une véritable compagnie visant la rentabilité de la compagnie, une compagnie qui serait construite par ceux qui seraient dérangés par la concurrence. Moi, je dis, pourtant, la presse a été clémente, vu les dépassements sur les terrains, entre annulations, chertés, débits, retards, crash. Donc, moi, je crois que la presse est très, très clémente, parce que dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il s'attende à ce qu'on lui offre des roses. Il ne faut pas lui dérouler le tapis rouge, parce que là, franchement, c'est des dépassements un petit peu à un engagement. Il dépasse un petit peu les engagements d'une compagnie envers ses clients, envers des consommateurs, des passagers. Certes, on a des devoirs. La preuve, déjà, pour embarquer, il nous oblige de venir 2 heures à l'avance. C'est un devoir. Mais bien sûr, on a des droits. Et ces droits sont d'être transportés dans de bonnes conditions, avec des billets raisonnables, calculés par rapport à une tarification. Nous, on a proposé dans le collectif, on a proposé des tarifications au kilomètre parcouru. Je me demande aujourd'hui pourquoi. Pourquoi? Vers toutes les destinations du monde, le kilomètre, ça coûte 4 centimes le kilomètre ou quelque chose de ce genre. Et vers l'Algérie, il coûte 10 centimes plus. Ça veut dire deux Je me fois questionne et un petit demi. peu. Deux fois et Deux fois et demi demi. le Voilà. tarif normal, le Donc, moyen. je crois que M. Boultif, il a fait mathématiques dans son parcours. Il s'est compté, il s'est calculé. 700 km ou bien 2 000 km à parcourir entre Paris et Alger, c'est le triple d'aller. Que d'aller de Paris à Casablanca. Les déclarations, fausses déclarations, faux usage de faux mots. Franchement, même l'engagement d'un président de la République lors de la campagne électorale, il dit que il faut revoir la Mais tarification, les justement, à prix, propos, etc. Yassine Hadjouj, à propos de ces promesses, de la promesse formelle, c'est un membre du gouvernement, il s'exprime au nom de l'État algérien, ou supposé C'est être un État. normal. Il a promis qu'il y aura, dans quelques semaines, et ça fait déjà quelques semaines qu'il l'a dit, qu'il y aura une réduction des prix d'Air Algérie. Or, Qu'est-ce que je peux commenter sur ça? C'est une déclaration à consommation médiatique dont la date de péremption, elle est à H plus 1, c'est-à-dire à l'heure qui suit déjà, elle n'existe plus. C'est une déclaration juste pour la consommation, juste pour satisfaire l'assistant qui est devant lui. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? On demande d'ouvrir le ciel. N'ouvrez pas le ciel parce que vous avez peur de la concurrence à qui vous, soi-disant, d'après les dires de M. Boultif, ils sont dérangés. Donc, ouvrez la concurrence, la vraie Non, mais concurrence. Aujourd'hui, Monsieur Boultif dit le contraire. Il dit que les attaques contre l'Algérie sont motivées par sa grande compétitivité et par sa grande efficacité. Ça veut dire que personne ne peut la concurrencer, justement. pour la première fois au monde, si mes comptes sont bons, hier je faisais un petit calcul, une compagnie aérienne, pavillon national, qui porte l'emblème national, qui a 60 appareils en activité, dont 50 en état clinique, qui emploie 10 000 personnes, de quelle efficacité vous parlez? De quelle efficacité? Mais C'est-à-dire, si on il y prend a des gens pour le payer. ratio employé par avion, on trouve 300 par appareil. Mais il y a des gens qui sont notamment les immigrés et les gens qui utilisent Air Algérie qui sont là pour payer cette incompétence, ces pléthores du personnel, ces sureffectifs. Restez avec nous aussi, Yassine. OK. Salah Hijab. Allô? Allô, Salah Hijab, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, nous venons d'apprendre par le Figaro qu'une association des victimes du crash, le dernier crash qui a eu lieu au Mali, vient de se créer. C'est dire que Air Algérie a du souci à se faire, surtout s'il se précise que la clause concernant l'affrètement des avions de ce type qu'on précise que l'avion affrété ne doit pas dépasser 10 ans d'âge, alors que cet avion dépasse les 18 ans d'âge. Ça veut dire qu'en l'occurrence, ça peut devenir du ressort du criminel pour négligence et entraîner un homicide par négligence. Et il se pourrait aussi que ces gens maintenant aient un boulevard pour demander des indemnités hallucinantes. Maintenant, ils peuvent tout demander si ça se confirme, hein, ça reste à confirmer.
Selon vous, comment ça va se développer cette histoire d'association qui vient de se créer? Nous avons suivi cette nouvelle parce qu'il y avait par le passé pas mal d'associations créées à chaque crash. Il y avait une association qui sert à la fois de défendre le droit de savoir quelles sont les réelles causes de ce crash et de soutien psychologique. Et par la suite, le troisième point qui est l'élément d'argent, les indemnités. Cette association, ça tombe bien. Parce que pour cette association, ils vont comment dire, reformuler leur demande dans le palais de justice français ou européen. Les responsables et les coupables de ce crash-là, ils vont être entendus ici. Donc, on peut envoyer un petit message à Monsieur Roll et à Monsieur Boltif. Les fausses déclarations qu'ils font avec les journaux, comment dire, les journaux, les médias étatiques, ça ne servira à rien. Et le langage de bois aussi, ça ne servira à rien. Demain, il y aura une enquête. Et ça, surtout que les victimes, il n'y a pas que des victimes françaises. Il y a des victimes aussi suisses, il y a des victimes de plusieurs pays, les Libanais, il y a aussi de Luxembourg, il y a de partout. Oui. Nous espérons que tous ces États-là se mettent la main dans la main pour, comment dire, mettre la lumière sur la vérité et pour le coupable soit payé. Et parce que l'affaire aujourd'hui, elle a dépassé les petits Algériens quand on leur raconte n'importe quoi pour les faire taire. Donc, il faut que ça dépasse ce niveau-là. Et ils vont avoir vraiment, comment dire, un sérieux risque. Nous, il y a un petit détail, nous avons aussi senti que cette lenteur de déclaration de la cause réelle du crash, aujourd'hui on est le 21, ça va faire demain ou après-demain, ça va faire un mois. Et donc cette lenteur, elle est peut-être aussi liée qu'il y a des choses à reprocher à l'État français. Et Absolument, absolument. nous soupçonnons qu'une nouvelle affaire comme l'affaire des sept moines qui a été enterrée depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, entre parenthèses, peut-être ils sont en train d'attendre la mort de tous les vrais coupables pour sortir le dossier. Nous mettons en garde cette association et toutes les familles des victimes. Il faut aller, il faut réclamer le droit du sang de vos proches. Il faut absolument savoir quelle était la vérité. Il y a pas mal d'indices sur des torts de la part du pouvoir français. Les torts du pouvoir algérien sont connus. Je m'en foutisme total. C'est vraiment la mauvaise gestion qui peut engendrer ce genre de crash. Et je pense qu'il y aura éventuellement, si ça continue comme ça, il y aura certainement d'autres incidents. D'ailleurs, le syndicat des pilotes l'a dit clairement, il a tiré la sonnette d'alarme en disant attention, nous sommes fatigués, nous sommes, nous travaillons pas correctement, nous dépassons le nombre d'heures, c'est vraiment, ils sont hors normes. Et c'est pour ça, c'est un grand risque. En tout cas, ce qui est certain, comme vous venez de l'évoquer vous-même, cette histoire de crash cache un grand secret. Nous avons tous été étonnés par cette précipitation du chef de l'État français à envoyer des escouades ou des escadrons, je ne sais pas comment on appelle ça, de gendarmes, pour sécuriser l'endroit. On a été étonnés qu'un avion qui tombe ne laisse pas de cratère. On a été étonné que les corps humains ont été littéralement émiettés, comme s'ils avaient reçu un missile en plein air. On a été étonné par beaucoup de choses et surtout par ce silence qui est fait autour de cette affaire, des investigations, de boîtes noires dont on nous dit qu'elles ne disent rien. Donc, c'est vraiment une affaire à suivre et à ne pas lâcher. Et nous espérons que cette association qui vient de se créer comprenne bien que c'est l'État français qui en fait une raison d'État et qui cache un grand secret, peut-être pour ne pas dire qui a abattu cet appareil. Mais sinon, pour revenir donc à notre sujet, Yassine Hedjadj, que pensez-vous encore développer comme action votre collectif pour continuer le combat, pour continuer votre lutte? Nous, dans notre collectif, on estime qu'on n'est pas écouté. Déjà, on a écrit avec, enfin, des doléances à tous les niveaux, Premier ministre, Monsieur Selle, ministre des Transports, DGR Algérie, sans oublier l'UN qui invite bien sûr le transport maritime. On a écrit, on a toujours dit, on est resté sur la ligne droite de dire que nous ne demandons ni charité, ni aumône, seulement que soient pratiqués des justes prix, selon des grilles étudiées, et que
et que le meilleur gagne. S'il y a concurrence, ouvrez le ciel, que le meilleur gagne. Nous, on veut des prix justes, parce qu'on a nos aînés, on a des gens qu'on appelait la Wilaya Sat de l'époque, les gens qui sont ici, ils sont La en train de mourir, ils n'ont fédération jamais été débarqués. FLN de France, celle qui Voilà. alimentait le trésor algérien, celle qui Voilà. alimentait la révolution algérienne, pour que Voilà. personne ne Voilà. l'oublie. Ils peuvent même pas visiter, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, ils peuvent même pas visiter leur terre natale. L'Algérie, c'est un pays cher pour nous. On aime l'Algérie. Laissez-nous aller voir ce pays. Laissez-nous visiter nos parents. Laissez mes enfants aimer ce pays. Montrez-nous des choses, des belles choses. Nous, on est prêt à aller chaque année. Moi, je m'engage personnellement, à l'échelle personnelle, normalement, je ne parle pas au mon nom, à aller 3 fois s'il y avait des bons prix. Pourquoi le Maroc, vous pouvez le visiter à 70 euros et nous, il faut 600 euros, 700 euros et encore. Vous partez à l'aéroport avec des retards. Aujourd'hui, on parle des retards de 8 heures, 10 heures et tout ça. La réglementation européenne, quand vous décollez, vous vous intéressez en Europe, à chaque retard qui dépasse les 5 heures, il y a indemnisation. Aujourd'hui, il n'y a pas l'Algérie. Enfin, vous partez au comptoir d'Algérie, personne qui vous écoute. Donc, on arrête à ce jeu du chat et la souris. On passe aux choses sérieuses, on est des adultes, on est des gens sensés, on pense bien, on sait calculer, on sait choisir le bon et le mauvais. Venez, on discute, on va étudier les prix ensemble. Maintenant, s'il y a 10 euros de différence, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même Monsieur Montebourg-en-France, il a fait la consommer français. Même pour 10 euros de plus. On consomme algérien pour 10 euros de plus. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le double ou le triple. Je ne sais Merci. pas, j'étais clair un petit peu dans mon intervention, Très mais bien, c'est parfait. logique. Je suis Merci. un consommateur. Offrez-moi un bon produit, je l'achète. Absolument. Mais entre 70 euros et 700 euros, c'est même pas deux fois, trois fois le prix, c'est 10 fois le prix. Et je vois, on peut voir sur Internet les prix pratiqués entre la France et le Maroc, entre la France et la Tunisie et la France et l'Algérie. C'est énorme. Les différences sont énormes. Messieurs, merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir éclairés. Je vous souhaite de finir cette route et d'avoir raison et de ramener pour nos compatriotes des prix qui soient raisonnables et des prix qui soient acceptables. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul.